لا يزال إلى اليوم. Et c'est tout le monde qui se lève pour Hassan Lalmas. On applaudit cette grande figure du football algérien. Je peux vous dire que c'est un moment magique que nous vivons ensemble, mesdames, messieurs, puisque Hassan Lalmas, on ne l'a plus vu depuis plus de 20 ans, ou même plus à la télévision nationale. Non. Une grande figure du football national qui a marqué de son empreinte le football. Et regardez, quelle émotion! Quelle émotion ce soir, Hassan Lalmas est avec nous. هذه الأسماء التي تشهد لها الذاكرة الجزائرية وكم هي تصفيقاتكم كبيرة على هذه الشخصية الرياضية. لا تزال يا سيدي حسن لالماس إلى يومنا هذا نعم من تتمتع بثقافة تكتيكية عالية وتمريرات سحرية حاسمة هكذا يقولون عنك وأفضل هداف في تاريخ الدوري الجزائري بإحرازه 150 هدفا في تاريخ الكرة الجزائرية تصفيقات. Et on appelle bien évidemment Omar Betrouni, ex-joueur du Mouloudia d'Alger, à remettre le ballon d'or à Hassan Lalmas, l'ex-joueur du Chabab Yadid Blouzdad. Hassan Lalmas qui a été connu pour ses dribbles déroutants, un des meilleurs buteurs du championnat d'Algérie. On ne se souvient même plus du nombre de buts qu'a inscrit Hassan Lalmas. On appelle Omar Betrouni à remettre ce ballon à Hassan Lalmas. C'est un moment magique. لحظة للتتويج لا تكرر خاصة وأن التكريمات تكون لمثل هذه الأسماء الكبيرة التي رفعت راية الجزائر في المحافل الدولية. حسن لالماس كم هو شرف لنا أن تكون في وسط هذه العائلة الرياضية في هذه السهرة من الكرة الذهبية. حسن لالماس كي ايتي ليكستار دو شباب يديد بلوز بتاتر حسن لالماس. Un mot public algérien, peut-être juste un mot, on ne va pas en faire plus, puisque déjà c'est un grand honneur que vous soyez parmi nous. On vous donne le micro pour que... Pour... Voilà, alors on laisse Hassan Lalmas, puisqu'il préfère aller... Ça a été une grande surprise yani d'avoir été invité et je suis très heureux de cette soirée. Je souhaiterais que certains joueurs qui ont dominé le football algérien fasse partie de cette soirée. Sahit. Merci beaucoup. شكرا جزيلا سيدي. سيشهد لهم التاريخ هؤلاء الذين رفعوا راية الجزائر عاليا. نتمنى لك الشفاء كما نتمنى الشفاء أيضا إلى رجال الكرة الجزائرية الحقيقية فعلا رشيد مخلوفي ومصطفى زيتوني. شكرا جزيلا. En tous les cas, c'est les trois noms retenus pour cette génération des années 60. La surprise, ça a été Hassan Lalmas, je peux vous le dire, puisque même s'il y a eu d'autres surprises, mais sans enlever le mérite des autres invités qui sont présents avec nous, je pense que ça a été le moment le plus émouvant de cette soirée.